Et nous sommes de retour pour plus de God of War. On va continuer. Donc on cherche une dame chez les nains. Donc on est ici. On doit aller grimper. Freya nous attend. On y va. Une fois sorti d'ici, je te laisserai tranquille. Le temps que tu décides si tu es prêt pour ce qu'implique la création. Et l'utilisation de cette arme. On sait même pas ce qu'on va créer exactement. En attendant, je vais voir si je peux apprendre autre chose de cet endroit. Qui sait, je renverrai peut-être quelques Eneriars au Valhalla pour la forme. Bon, amuse-toi bien. Hé, vous voilà! Il était temps. Tout est prêt ici. Il nous reste plus qu'à pousser jusqu'à la forge. Funky. Sérieuse? Oh. Eh ben, tant que tu sais que c'est pas le chemin de la forge. Ah tiens, il y a Brock avec nous. Là, le symbole, là, c'est pas des... chose à voir là-dedans. Une des missions? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un ingrédient de la recette. C'est Comment ça. Comment ont-ils atteint ce royaume? Oh, voyager entre les royaumes était leur spécialité. Vois-tu, Yari avait été élevé en guerrier midgardien. Se battre pour sa famille, trouver une épouse, mourir pour la gloire. Mais il a rejeté tout cela. Il est parti. Il a suivi sa voie. Je ne serais pas surpris de retrouver leur marque dans d'autres royaumes. Ah, et ça, on peut toujours pas... Je ne voudrais pas m'avancer, mais pour ça, vaut mieux qu'on revienne plus tard. Oui, crois-moi. Ça marche. Bon, où est-ce qu'on va? Là? C'est comme ça que tu me suis? Très bien. Voyons ce que tu peux trouver. Oh. Hé, mets ta main là-dedans pour voir. Ok. Welcome. Et il y en a un deuxième. J'étais bloqué. Elle m'a touché une fois, j'étais complètement stunné. Aïe 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 aïe. Putain, on vient juste de commencer, bordel. On est même pas à 3 minutes dedans, quoi. On meurt. Aïe 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 aïe. Mais par contre, il les a fait tomber, les bestioles. Pas mal, pas mal. Putain, j'ai enlevé ma garde. Mais nique-toi, nique-toi. Tu t'es fait avoir ? Oh mon dieu. Le nain, il a l'air de faire des bons dégâts de d'étourdissement, je crois. Aïe 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 aïe. On n'a pas de rage, c'est relou. Hé, hey, mets ta main là-dedans pour moi. Mater mia. Est-ce que t'as pas peur du bruit? Ah, elle est déjà... Tout est dit.
Je fais de la merde complet, quoi. C'est ouf. J'ai l'impression que le Nai, il est en train de tanker les deux autres sans problème et tout. Genre, il reste sur lui. C'est ouf. Bon. On se concentre. Mets ta main là-dedans pour voir. Bien joué. Attention derrière. Putain, c'est deux. Putain de merde, oh la vache. J'aime pas son mouvement, j'aime vraiment pas son Mais bon, on a gagné. Eh ben putain. Tu collectionnes vraiment ? Sache que c'était comme ça quand nous l'avons trouvé. C'est ça, oui. Ah, c'était pas simple. Hein. C'était pas simple. Mais on y est arrivé. Ouais, on y est arrivé. J'ai remis aussi, au final, tout l'équipement de Lunda. Parce que je pense quand même que ça reste plus intéressant. J'arrête pas de faire des allers-retours entre les équipements, je sais, mais... On peut dire que vous vous êtes démené pour venir ici libérer le vieux Tyr. C'est pas vraiment ce que vous vous attendiez à trouver, hein. Mais quand il s'agit de piquer la tambouille, il se réveille. Occupe-toi de ce nid, ou il va vite y avoir des yeux partout. Putain de merde. J'ai quelque chose pour toi. Ok, on est bon. On est déjà passé par là, je crois. Quoique. Comment...
Comme ça. Non, on n'est pas passé par... Je sais pas, ça me dit quelque chose. Ça se ressemble, quoi. Ou à moins qu'on l'ait... on ait loupé ça. Fer forgé. Ah, c'est possible qu'on ait tout simplement loupé, en fait. Quand on était avec Atreus au tout début. Quand on pour aller sauver Tyr. On peut descendre ? C'est ça. Prenez donc vos petits raccourcis. Comme si j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Je vous rattrape quand je veux sans problème. Ça marche. Bon, on avance. Bah, tu veux qu'on passe par où en fait? Les dégâts quoi. Carnage quand même. Au corps à corps. Ouais, on est déjà venu et il y avait la porte. Et bon, maintenant lui il peut l'ouvrir apparemment. Enfin, j'espère. Un instant, je l'ai presque. Voilà. Bien le bonjour, étranger. Vraiment, je ne m'y ferai jamais. On va croiser des types du coin. Faites pas les sauvages, et ça devrait bien se passer. Oh, arrêtez un peu de cailloter, bande de têtes mamelles. Emmorvez dans vos équipements de protection. Vous avez jamais vu une légende ou quoi? Ah, il parle surtout de lui, on entendait genre... On oh, revient pas qu'il pas soit bleu. Bon, ça. Tu vois le problème, hein? Ces fichus yeux volants ont fait leur nez sur les câbles. Va falloir trouver un moyen de monter pour nettoyer tout ça. Ah bah merde alors. J'en entends. Ah, mais ils sont en train de mourir. Bon, on dirait que cette roue là-haut permet d'ouvrir la porte. Non pas qu'on puisse l'atteindre. Blindé de cauchemars. Fouille à droite, à gauche. Il peut y avoir un moyen d'activer cet élévateur. Ouais. On est en train de fouiller. Mon frère, as-tu remarqué comme les nains du camp semblaient bien plus inquiets de la présence de Brock que de la tienne? Ah voilà. Ils avaient l'air surpris. Bon, j'ai plus qu'à tourner cette manivelle et boucher ce geyser. Donne-moi le signal dès que t'es prêt. Maintenant. Tout de suite. Tourne-la. Bien reçu.
Ah ok, d'accord, pour nous faire monter, ok, ça marche. Je comprenais pas ce qu'il voulait faire. Tourne encore. Ça marche. Il s'élève. Ah, j'avais dit, hein, ils ont l'air plus surpris de lui que de nous. J'avais dit. Hé hey, moi je m'occupe de la manivelle. Toi tu te charges du reste. Les deux en même temps. Ah, attends. Regarde tout. Ah, prometteur. Prometteur. Prometteur de quoi? Encore une fois. Ah attends, donc on ait la visibilité. Alors, éruption d'Atlas. Martèle le sol de ses deux lames pour générer de multiples explosions d'étincelles. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein, mais... Pas trop de trucs. Le problème, c'est que ce qui lui est arrivé, c'est que je crois qu'il nous en veut. Ça a créé des problèmes avec avec son frère et tout ça. Dis bonjour. Vous croyez pouvoir me tuer? Enfin! On va pouvoir rejoindre la forge maintenant! Allez, la dame nous attend! Hé! J'ai une autre devinette. Plus vous en retirez, plus je grandis. Qui suis-je? Voyons voir. Quelque chose d'abstrait, je présume. L'appétit? Non, ça ne fonctionne pas. Ils vont perdre la tête! Oh, mais c'est qu'il est malin! Crétin. C'est bon, tu viens? Ah, ça va, tu vas te téléporter. T'es magique. Ouh, il fait frisquer. Je vais en prendre un peu pour la dame. Et prendre quoi? Le vent? Non, idiot! Le son du vent. Comment? Observe et apprends. Tu vois, la magie naine est une magie de l'intangible, de relation entre ce qui peut être touché et ce qui ne peut pas l'être. L'important, c'est de comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre? Que la nature d'une chose ne se résume pas à sa forme. Ouais, je sais pas. Un instant. Ça sent les ennuis. Ah, putain de merde.
mon dieu, non mais stop de m'arrêter quoi. Revenons-en à cette dame. La dame de la forge. Il n'y a pas de créature plus magique dans tout le royaume. Je te jure, j'étais pas plus haut que les genoux d'une Noken que je rêvais déjà de la rencontrer. Mais Sylvie a jamais voulu. Soit disant que j'étais trop ruste. Mais aujourd'hui, ça y est, enfin. Ouh, j'en ai l'oignon qui frétille. Eh bien, Brock, je ne t'ai jamais vu si respectueux. Serais-tu nerveux? Quoi? Tais-toi! Non, ferme-la! Aïe. Je sens que ça va mal finir tout ça. Tourne la manivelle. C'est parti. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Écarte-toi que j'y jette un œil. Oh, bon sang de bonsoir. Alors quoi? C'est à moi de tout réparer dans cette foutue ville. J'ai besoin de 2-3 trucs. Suivez-moi. Oh. Cet endroit est complètement délabré. Un manque de respect, je te dis. J'ai besoin que cette hache aille faire des papouilles à ce truc, là-bas. Un truc piquant et argenté. Tu vas trouver. Ça? Cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, on le découvrira bientôt tous les deux, pas vrai? Ce que je sais, c'est que si on est chanceux, elle nous accordera sa bénédiction. Elle la donne pas à toutes les armes, mais celles qui y ont droit, de vraies merveilles. La hache? Ça, c'est un cas particulier qui a été un sacré foutoir. Je te raconterai peut-être une autre fois. D'accord. Tu veux que je fasse quoi, là? Brooke? Il m'a dit d'aller récupérer des trucs jaunes. Ça? Ok. C'est quoi? C'est du métal spécial? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, c'est nain. Vous me rendre fou. Faye était la seule à comprendre mon humour raffiné. Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. Maintenant, il me faudrait un peu de ce morceau de bronze, là, au milieu des bouts de bois. Morceau de bronze au milieu des bouts de bois. À cette époque, je voulais tellement ça être le meilleur. Bon. Que je travaillais jusqu'à l'épuisement. Mais, avec le temps, on ressent moins le besoin de faire ses preuves. Et on apprend à avancer à son rythme. Ça permet de garder ses forces pour des choses plus personnelles, comme impressionner la dame, par exemple. Super. Je suis sûr qu'il va nous donner le pouvoir de casser ça, ou je sais pas. Alors, le bouc, tu donnes ta langue au chat, c'était rapide. Je n'abandonne jamais. Plus vous en retirez, plus je grandis, c'est ça? C'est bien ça. Hein? Je l'ai. Le désir. Non. Comment ça, non? Mais lorsqu'on nous retire ce que l'on désire, on ne désire que plus. Bon, d'accord, ce n'est pas parfait, mais je veux entendre ta réponse. Ha, tu n'auras pas si facilement. Non, allez, en fait, c'est juste. Reparti. En fait, il fait juste une pièce. À tourner avant d'atteindre la forge. En fait, il fait juste une. Je ne vois pas de forge. Une pièce pour ça. Tu ne vois pas la forme d'une forge. Mais on approche de sa nature. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais le comprendre.
Il m'en rend fou. C'est bon. Fou, Brock. Tourne. Yay. Oh non. Oh putain, on est dans l'eau, non. Où est la forge? Elle arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Je... Oh. Oh, c'est cool. C'était rapide. Il lui manque le dernier ingrédient, le sang d'un dieu. Donne-lui ta main. Oh wow. Ah, c'est joli. Ah, classe. Ah, donc maintenant, c'est quoi? C'est une lance dans l'anneau? T'as ça tue? Ah, la musique. Oh. Kratos, il a une nouvelle arme? Non. Wow. Dofus Fretter, j'ai failli oublier. Madame, ce serait un honneur pour nous si vous acceptiez de la bénir. Vous... Eo. Oé. C'était quoi, ça? Ça tue. Elle m'a complètement ignoré. Les sirènes ne s'adressent pas à nos corps matériels, mais à une partie de nos âmes. Plus précisément, une partie qui te fait peut-être défaut. Oh oh. Merde! Bordel, Sindri, ce fouille merde mythomane! Je le savais! Je suis mort! Je suis mort de chez mort! Qu'est-ce que tu me veux? Elle doit être bénie. Ouais, ben celle qui devait la bénir vient de repartir bouffer des algues! Elle doit être bénie par un grand forgeron. Quoi? Non. Non, je peux rien bénir. Il me manque des bouts d'âme. La bénédiction ne vaudrait rien. Seul compte la nature d'une chose, pas sa forme. D'accord.
Puisse cette arme frapper juste. Puisse-t-elle être maniée avec sagesse. Puisse-t-elle se reposer une fois son œuvre achevée. Il est gentil, Kratos. Tu vas quand même pas ramener cette beauté à la maison avant de l'avoir emmenée danser. Regarde, on a des volontaires. Ouh, faut défoncer. Je vais me faire tuer, c'est trop bien. Putain de merde! Laissez-moi m'amuser avec ma nouvelle lance. Oh! Au vu, j'ai un nombre illimité de lances, on va y arriver. Oh putain, ça tue! Attends, comment elle... Ça fait quoi, ça? Oh. Par contre, j'ai pas de vie, hein. Oh, il fait... Il les repousse comme ça, ça tue. La lance Dropnir m'a l'air plutôt adaptée au combat. Voyons si elle peut aussi servir à autre chose, tu veux? Tu vois ce poids vulnérable là-haut? Lance-en une en plus. Maintenant, L2 appuie sur R1 pour envoyer une lance sur le point faible. Sur... Fais-moi confiance. Touche ce point faible avec une lance. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est... Ouais, c'est pas mal, pas mal. Je pensais que ça allait être un tout petit peu mieux, mais... C'est pas mal. Lance Dropnir, façonnée par la Dame de la Force, cette lance possède le pouvoir de se dupliquer et renferme la puissance des tempêtes. Bénie par Brock, elle convient désormais à un dieu. Accessoire de la lance, talon du soldat. Le talon forgé par la Dame du Sang Divin, sa sculpture sinueuse rappelle le serpent monde. Ah, oh, et on va avoir des trucs, ok. Ah, lance. Oh, putain, cool, on a gagné, on a gardé de l'expérience. Ah bah voilà, au moins il... Putain, il lui fallut deux jeux pour qu'il récupère une nouvelle arme, quoi. T'es fou? Alors, faire exploser toutes les lances plantées, ok. Alors, viser, appuyer sur R1 pour jeter la lance Dropnir qui se plantera dans la surface visée, appuyer sur R1, ok, ça marche. Alors. Ouais, donc ça.
pour générer une déflagration de vent qui renverse les ennemis. Tous les éléments siphonnés par la lance consume renforcé de déflagration. Ok, ça marche. Je la trouve un peu fine en fait pour Kratos. J'aurais bien vu Kratos avec une hallebarde, mais bon, c'est un Spartan, les lances il connaît. Attirer les ennemis à proximité. Pas mal. Joli, joli. Maintenez L2 R1 pour charger de puissants jets de lance tourbillonnante qui fera plusieurs fois les ennemis en repoussant. Ouais. Renforcer la lance Dropnir en augmentant considérablement l'impact à chaque attaque corps à corps. Confère un bonus de chance et de pouvoir unique lorsque actif. Ah, lui aussi, il a une jauge Maelstrom. Enfin, l'arme aussi a une jauge. Enfin, elle a une jauge spéciale. Consommer la jauge activée, renforce considérablement l'étourdissement, l'impact. Ok. Le nombre de lances qui pourraient être préparées avant l'exploser. Okay. Oh, jette successivement plusieurs lances pour augmenter la vitesse à laquelle vous jetez. Ah, ok, ok. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouh, c'est joli ça. Maintenez R2 pour siphonner l'élément d'un ennemi avec la lance. La lance utilisée pour siphonner un ennemi inflige des dégâts élémentaires pouvant être jetés et plantés, puis explosés. L'élément disparaît lorsque vous utilisez une attaque runique de la lance. Putain, c'est compliqué tout ça. Bah, c'est pas mal. Ah, tu... Ouais. C'est pas si mal. Hop. Allez papa, un peu de grimpette. Écoute-moi bien. Merci pour ce que t'as dit tout à l'heure. C'est bon d'avoir des amis quand on découvre que son frère n'est qu'un menteur hypocrite. Je suis sûr qu'il cherchait à te protéger. Il n'avait pas à en décider. Quand on meurt, on a au moins le droit de le savoir. Courage, Brock. Nous mourrons tous un jour. Pour certains, plus d'une fois. Bah, peu importe. On doit finir de mettre la lance à l'épreuve. Allez, du nerf. On va devoir se creuser les méninges plus loin. Ouais, bah, je sais pas. Je suis pas déçu non plus, mais... Dans les valseuses du grand serpent, des nids de mirettes. Prépare-toi à tailler dans le tas. Derrière toi.
Occupe-toi de ce nid, ou il va vite y avoir des yeux partout. Arrête de traînasser et détruis-moi cette chose avant que... Non. Oui, bon, bah désolé, j'ai... Hein, voilà quoi. Mais ouais, non, je pensais quand même que peut-être une arme plus impressionnante. Un truc plus gros, je sais pas. Oh putain, d'accord. Ça doit faire mal. Mais merde. Là, bande de chiens, approchez. Il y a un nid en haut. Comment? Je voulais changer la pour la hache et il a pas fait directement. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je crois que je vais faire une pause. Ça va. Bon, bah on a une... On a ça. Mais est-ce que c'est... La lance, on peut l'utiliser... Bonne journée. On l'utilisait pour les sortes de... Je sais pas, genre les cercles là, qui envoyaient du vent, là, c'est la même chose. Tu ne vois pas d'où ils sortent. Allez, frappe-le. Ah là 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 là. Allez, on avance. Ces foutus yeux contrôlent les morts. Il vaut mieux qu'on les crève. Arrive à la rescousse. Après, les dégâts sont pas mal. En fait, il tape super vite, ça a l'air de bien se tenir en fait. Montre-moi ce que t'as. Eh ben, ça, c'était bizarre. Ouais, ça a l'air de. Pour ta prochaine leçon. Est-ce que tu vois ce machin chose? Oui, c'est ça, c'est ça. Essaye de trouver un angle convenable et fige-y une lance. Tu vois? Assez solide pour grimper, se balancer, tout ce qu'il te faut. Oh, donc ça y est, on sait comment faire ça. D'accord, ça marche. Donc du coup, on peut aller n'importe où maintenant. Cool. Ouais, ça reste et tout. Ah, ok, cool. Ouais, non, mais la lance, elle est méga rapide. Donc ça, c'est intéressant. Ça. Ouais. Un peu tard pour ça. Ouais, méga rapide, ça stunlock, ça, c'est intéressant. Ça. Avec ces petites chéries,
juste une question d'angle. Faut que ça entre tout droit. Alors... Il se frappe pour Lara Croft. Oh mon dieu. C'est là des petits de Nekor. Utilise le piège. Oh, ça marche. Ok. Cool. Génial. Tu l'as eu. Oh, salut. Désolé, je ne voulais pas te faire peur, loin de là. Ce n'est pas le cas. Je vois. Tu pourras le rapporter à Ratatosk dès que tu seras prêt. Ok. Alors après, pour changer d'arme, c'est un peu la galère quand même. Donc à droite, c'est la hache, à gauche, c'est les dagues. Et après, en bas, une fois, c'est Manu, une autre fois, c'est la lance. À la limite, c'est mieux de garder la lance. Ah tiens, on a récupéré une. Talon. Les attaques de lance contre les ennemis enflammés ou gelés infligent des dégâts supplémentaires. Ok. Du coup, à la limite, il nous faudrait une nouvelle arme. Armure, pardon. Parce que, ouais, taper à main nue, c'est peut-être le truc qu'on va un peu moins faire maintenant. J'en sais rien, je sais pas. J'ai une dernière faveur à vous demander, tous les deux. Ensuite, on sera quitte. Ce qui s'est passé dans la forge avec la dame, il n'y a que moi qui peux le raconter, d'accord? D'accord. Oh, très bien. Ces gros lourdeaux. Peut-être que ces mornes s'en occuperont. Non. Ouais, d'accord. On me monte dessus. J'ai toujours su que t'étais complètement dingue. Derrière toi, du poisson. Je suis dans la merde. Je suis mort. Frère, debout. Ouais, on va pas rester que avec la lance. De toute façon, elle est pas. Elle est pas encore bonne. On n'a pas de runes, on a rien. Donc c'est sympa de s'amuser avec la lance, mais. C'est juste sympa pour le moment. Ces gros lourdeaux. Peut-être que ces mornes s'en occuperont. Non. Oh, sale mordeau. Ah. Faudrait que les autres viennent en fait, qu'on puisse les tuer, mais bon. J'ai toujours su que t'étais complètement dingue. Dans ton dos.
Mal mis quand même. Oh yes. Quel bordel. Pour moi aujourd'hui. Occupe-toi du butin. Moi, je vais m'installer par là-bas. Ça marche. Après, non, ouais, non, c'est pas mal. Il y a un chemin plus court. D'accord. Et si nous laissions Brock parfaire ton équipement avant d'y aller ? Ouais. À la limite, oui, on va dire que le fait qu'elle... Qu'elle soit aussi rapide, ça aide énormément quand même. Ça me sert à quoi d'avoir fait ça? Ça me sert à rien. Voilà, c'est la rapidité hein, qui est quand même énorme. Ouais. Oh merde, il y a des trucs. Alors, fais voir comment on l'augmente, qu'est-ce qu'il faut, merci, etc. Brock. C'est une bonne lance. Ok, oui. Alors, on a ça. Eh, on a 36 000 d'argent, yes. Alors, la lance d'obtenir, donc il faut des souffles enflammés. D'accord. Souffle enflammé, et après, ouais, c'est la même chose. Pétrifié et tout ça, c'est pareil. Ça marche. Augmente la chance de la lance d'obtenir toi les dégâts et toutes les attaques basées sur la chance. Élément vent. C'est marrant, ils disent les. Ils disent pas élément. Pour les... Ah oui, si, élément feu, élément. J'avais pas vu. J'ai rien dit. Je crois que je vois comment tu vas descendre d'ici. Je ferais mieux de trouver mon propre chemin. La journée a été trop bonne pour finir en catastrophe. En plus... Là, avec le manche, elle peut faire plus de dégâts aux ennemis brûlés ou gelés. Ouais, non, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, c'est par là qu'on descend. Oh, waouh. Ok. Là, c'est cool. Je vais vous remettre ces portes en état de marche. J'espère que Sindri sera encore en vie quand Brock en aura terminé avec lui. Ces deux-là s'entendent déjà comme chien et chat en temps normal. Et cette arme, ça va nous aider à... À combattre comment il s'appelle l'autre, Heimdall. Où sont-ils passés? Tu as un instant? Oh je mon veux dieu, juste parler d'un père à l'autre.
Et à ce propos, imagine ma surprise quand Atreus est venu toquer à ma porte. Il va très bien, rassure-toi. Et il ne lui arrivera rien du moment que je retourne à Asgard prochainement. Et puis, notre ami, ici présent, a de bonnes raisons de vivre. C'est discutable. Tu peux partir, mais ne fais pas de bêtises. Une lance. Je n'ai jamais aimé Brock. Mais je dois admettre qu'il a du talent. Tu voulais parler? Parle. Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas, Kratos? Tout ce sang sur tes mains et celle de ton fils. Je veux la paix tout autant que toi. Peut-être peut-on la trouver ensemble. Il te ment. Je sais. Notre garçon, ton Atreus, il est tel que je l'espérais. Très intelligent. Bon. C'est vraiment le tien? Je plaisante. Wow. Tu as toutes les raisons d'être fier de lui. Il est la clé de la paix de notre ère, celle qui nous libérera du destin et de la prophétie. Mon fils n'est pas une clé. Bon sang, on ne pratique pas la métaphore sur ta terre. Le contraire m'aurait étonné. Oh, désolé, ce n'est pas gentil. Je sais que tu n'es plus le dieu que tu étais. Et à présent, tu as une chance de le prouver. Rends-moi mon fils. Tu retrouveras le dieu que j'étais. Et de quel genre de dieu s'agit-il, Kratos? Ah. Que prétends-tu savoir de la divinité? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour? Non! Tu te contrefiches des mortels. Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu as peur de ce que tu ne pourras jamais comprendre. Et tu t'étonnes que ton fils n'ait aucune hâte à revenir auprès de toi. J'ignore ce qu'il dit, mon frère. Il essaie seulement de te provoquer. Ce chien prétentieux, il a osé se montrer ici. Au moins, tu l'as secoué autant qu'il t'a secoué. Ah, c'est compliqué hein, de parler avec Odin. Tu lui dis plein de choses sensées. Te voilà. Oh. Voyons ce que Brock a forgé par toi. Bravo. J'arrive pas à... J'arrive. Putain de pas. Pas esquiver, quoi. Donc, une lance Dropnir? La lance Dropnir. Eh bien, à vrai dire, autant de lances que nécessaire. Par ici, j'ai trouvé un accès. Nous devons descendre en wagon. Pour être tout à fait franc, je m'inquiète un peu.
Nous venons de fabriquer une arme capable de tuer un dieu. Tu pourrais bien retomber dans tes vieux travers, non? Cela te fait-il peur, d'aider un autre dieu brutal? C'est pour toi que j'ai peur, mon frère. Cette lance pourrait déclencher une guerre, LA guerre. Si tu ne le crains plus, Freya devrait avoir raison. Peut-être les géants t'attendaient-ils depuis le début. Je comprends pas, ces dagues aussi, elles peuvent tuer des dieux, non? Ils font comme quoi, la lance? Genre la lance est extrêmement puissante et tout ça. Les dagues, elles ont pas tué, genre elles ont pas détruit tout Olympe. Un filet, des poumons? Non, c'est stupide. Quoi? La foutue devinette de Brock. Plus vous en retirez, plus je grandis. Je ne laisserai pas ce nabot bleuâtre me battre. Si tu es contrarié, il a déjà gagné. C'est pas pour me dire d'aller voir dans la N'oublie mine. N'oublie pas, nous ne pouvons pas rentrer par là. Nous devons redescendre dans le wagon. Oui, mais attends, il y a des trucs dans la mine à faire, je crois. Des facts, coffres. Attends, où est-ce que je suis ? Tunnel. Ah oui, non, mais c'est le tunnel, oui, non. C'est le tunnel par lequel on est venu, je crois qu'il n'y avait rien de spécial. Par contre, c'est la mine qu'on avait vue avec Atreus. Oh, est-ce qu'on peut détruire ça maintenant? Plantez au lent chacune des trois runes et faites-les exploser simultanément. Cool, on peut faire ça maintenant. Sympa. Sympa. Donc maintenant, en théorie, on peut tout faire. Faire absolument toutes les énigmes, tous les puzzles et aller tout faire du coup. On peut tout détruire et tout. Ouais, non, c'est cool. Et donc, cette lance Dropnir, es-tu prêt à t'en servir? Pour protéger Atreus. Je ne suis le champion de personne d'autre. Et encore moins le dieu. C'est peut-être ma forme. Mais ce n'est pas ma nature. C'est bien compris. J'ai mis de côté bien plus qu'une divergence d'opinion pour le bien de cette alliance. Tant que le plan est toujours de tuer Heimdall, le reste importe peu. Je me permets d'ajouter qu'Odin a une petite idée de ce que nous préparons. C'était donc ces corbeaux que j'ai entendus. Bon sang, qu'a-t-il dit? Mensonges, menaces et autres tromperies, évidemment. Tu penses qu'il mentait? Atreus n'est pas à Asgard? Malheureusement, sur ce point, je crains qu'il ait dit vrai. Alors le reste importe peu. J'ai vu une porte non loin qui surplombait la baie. On peut l'atteindre avec ta lance, je crois. Par ici. Ah! Mais lol. On était venu faire la tombe et tout, quoi. C'est pour ça que... faire des trucs en avance comme ça, des fois, c'est pas toujours une bonne chose. En fait, ça sert à rien, vu qu'on y retourne. Hé, hey, le balèze. Parle. Je
J'aimerais que tu m'apportes quelque chose. Un marteau. Une arme? Non. Un marteau de forgeron, petite tête. Un symbole de la résistance, de l'unité de la guilde. Tout le couplet. Du moins, jusqu'à ce que les As l'enfouissent sous cette énorme statue de nain, dans la baie. Ça ferait du bien aux nains de le voir ressurgir. Tu ne crains pas d'attirer l'attention des Eneriars? Le père de tout était prêt à m'égorger pour vous atteindre. Je me fiche pas mal de ce qu'il en pensera. Retrouvez-moi au bar quand vous l'aurez. Avec cette lance, tu pourras certainement explorer de nouvelles zones de la baie. Oui, et nous pourrions chercher le marteau de Durlin tant qu'on y est. Mais c'est toi qui vois. Bon ben, let's go. On est reparti du secondaire. Et là, en théorie, on peut tout faire, comme j'ai dit. Donc, on va revenir à tous les endroits. Là, ça va être une grande dose de... Une grande dose de secondaire, là, par contre. Cool. Ouais, non, là, ça va être... secondaire. Donc toi tu veux que je fasse l'esprit de la rébellion, ok, ça marche. L'énigme de Brock, la réponse peut-elle être rien. Plus vous en retirez, plus je grandis. Qui suis-je? Rien. Je ne crois pas, mon frère. Je n'aime pas les énigmes. C'est par où, là? Ah oui, il y avait un truc sur le côté gauche, là. Ah, c'est ça la statue? Autant que je sache, c'est dans cette direction que se trouve la grande statue de nain. Oui, oui. Le marteau de Durlin ne devrait pas être loin. Et là, il y avait un point là pour la lance. Bon, ça va, c'est cool. C'est cool. Au début, j'étais pas trop chaud avec la lance, mais là, ça va. Voilà. Pitié, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, pour faire simple, un trésor. Celui qui est caché là-bas, pour être précis. Mon fils et moi, nous sommes venus ici en quête des richesses de Sicile. Craignant que ce soit trop dangereux, je suis parti seul. Et il semblerait que j'ai vu juste. C'est pour ça que tu es resté là. Mon fils. Je crains qu'il soit parti chercher l'autre moitié du trésor. Je vous en prie, trouvez-le. Et dites-moi ce qu'il en est. Si vous souhaitez une récompense, vous pouvez prendre le trésor. Je n'en ai plus que faire. Ça marche. Nous étions des marins. Nous avons quitté Midgard pour chercher fortune ailleurs. Nous étions près de réussir. Mon fils, je regrette tellement. Les restes sont anciens. Son fils n'est sûrement plus. Il ne coûte rien de le vérifier. Vraiment? Qu'est-ce qu'il est gentil, Kratos, maintenant? Oh mon dieu, t'es sérieux là? Allez Kratos, relève-toi! Ouais, donc honnêtement, j'étais persuadé que là ça allait être que des objets. Parce que la zone elle est méga petite. Bah apparemment non. Apparemment non, on va devoir combattre un truc niveau 6 dans une petite zone. Et c'est un putain de loup-garou avec des griffes énormes. Ça va être bien ça. Ça va être bien. Est-ce qu'on peut le faire tomber? Kratos, ça va?
mon frère. Il est invincible. What the fuck? Ouais. Putain de merde. Attention à droite. Qu'est-ce qui me stresse? Et voilà, putain, merde. Dans la zone. Putain, juste quand il est... Il était étourdi. Il était étourdi. Mais il m'a eu quand... d'animation. Ah là 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 là. Ah, je veux... Ça m'en fout. Faut que je fasse une pause après cet épisode. Ça fait deux épisodes que je fais d'affilée. Parce que j'aime beaucoup le jeu, mais là, trop, là. Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien. Putain! Faut l'étourdir parce qu'il est possédé là. Ce connard, c'est ouf quoi. Ça, par contre, c'est un truc que honnêtement j'aime pas dans le jeu. C'est les ennemis qui bougent pas quand on les tape. Je leur fais des runes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est plus haut niveau que moi? Et du coup, même le fait de faire des runes majeures et tout ça, là, les runes rapides, les runes normales et tout ça, est-ce que c'est à cause de ça? Mais bon. Ah oh, merde. Je change de flèche. Sérieux. Je l'ai dit en plus, hein. Est-ce qu'on peut le faire tomber? Bah apparemment oui. La vue d'ici est splendide. Ouais. Bon, j'avoue que c'est beau quand même. J'avoue que c'est beau. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Alors,
Abîme d'Alberich. Une ardoise runique, incomplète. Mais tu pourrais utiliser ton bourrin pour la... Cool. Oh. Le marteau de Durlin. Toujours intact après tout ce temps, contrairement à la ténacité de Durlin. Nous lui rapporterons. Par contre, il y a le fantôme à faire. C'est quoi ce bruit? Alors d'abord, j'ai juste regardé là-bas. Non. Désolé, je me concentrais sur les niveaux et tout ça. Ouais, on peut faire baisser les niveaux avec le poison. J'ai jamais honnêtement trop fait attention. Mais c'est quand on charge le poison, je crois. C'est un peu compliqué. Trouvons un passage à travers ces débris. C'était un peu compliqué. Je crois que je vais m'arrêter là. La graine de Muspelheim est maintenant complète. Ah, cool. Trouvons un accès mystique. Elle nous mènera peut-être aux épreuves de combat de Surt. Ah! Creuser de Muspelheim, ça c'est sympa ça.
Ça, c'est sympa. Il est où le corbeau à la con? Là. Force-la à se taire! Frère, ce monde s'est trouvé un perche. Ah là là, quel bordel. Poison à gauche. Elle est où le machin là? J'arrive pas à la voir. Oh, je crois qu'elle est cachée dans les débris. Cette Noken soigne ses alliés. Mais merde. Kratos, on a besoin de toi. Je suis mort. Putain de merde. Ça va me rendre fou. Oh la vache. Ah, l'épisode où je fais que crever de fou. Je crois qu'elle est dans la paroi avec les débris là qu'il faut détruire. Ce son n'annonce rien de bon. Va crever quoi. Frère, ce monde s'est trouvé un perchoir. Derrière toi, mon frère. Change pour les dagues, bordel de merde. Oh Kratos, tu me fais de la merde là. Ça va secouer le crâne. Entre les créatures et tous les débris, personne n'a pu sortir d'ici vivant. Oh. C'est marrant, il fait une attaque quand tu changes. Marrant ça. Quand tu maintiens la touche pour changer d'arme, il fait une attaque. Marrant ça. Bon bref, tu m'as saoulé Kratos des fois. Hein. Truc qui veut pas changer pour les armes. Quand je veux, au bon moment. Ah mon dieu, c'est pas fini. T'es sérieux? Ce monde te fonce dessus. What the fuck, les dégâts. Non, on va s'arrêter. Me dis pas que je recommence le combat direct. Aïe 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 aïe. J'entends un autre corbeau. Ouais, on va s'arrêter là.
Là, non. J'ai eu ma dose. Là, je suis un peu déçu. On a fait un épisode avec... moi qui arrêtais pas de crever. Ah tiens, on a eu ça aussi. Tac, longue portée à la lance qui siphonne l'élément d'un ennemi. Donc on récupère l'élément en fait. Ajoute à la lance une pointe tourbillonnante affichant plusieurs coups lors de la fente. Génère un bouclier de vent qui protège intégralement Kratos quand il court. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ah oui, en amulette, c'est vrai qu'on a un truc en plus. Asgard. L'œil vif, voilà. Mais on va s'arrêter là. Parce que je suis... un peu fatigué. Mais ouais, on a eu un épisode, c'est un peu bête parce qu'on a récupéré la lance, une nouvelle arme et tout ça. Faut que... Ouais, je la trouve bien. J'ai envie dans un sens que si on l'utilise, qu'on n'utilise plus des coups à main nue. Mais du coup, si on fait ça et qu'on utilise genre lance, hache et dague, et plus les combats au coup de poing, on va devoir changer d'armure. Parce que celle-là, servira plus à grand-chose. Quoi. Donc ouais, il nous faut autre chose. Il nous faut autre chose, peut-être la brume de guérison, ou je sais pas trop, mais il nous faut autre chose. On peut peut-être faire la brume de guérison. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre? Le soin, dégâts d'explosion, c'est bof. Après, on avait ça, mais ça, c'est bof. Peut se mettre en soin et voir un peu ce que ça donne. Mais ouais, j'ai eu ma dose. Je vais faire une pause et je reprendrai plus tard. En tout cas, voilà. Désolé si l'épisode était un peu relou parce que je suis mort pas mal de fois. Peut-être un peu trop de fois. Mais voilà, on fera mieux la prochaine fois et on défoncera des trucs. À la prochaine, ciao!